correction de l'examen de l'algèbre 2 de la semaine session normale donnée 23. D'accord? Alors voilà, l'examen il est affiché devant vous. Alors je vous laisse un moment pour le scanner. Alors on commence par résoudre l'exercice numéro 1. Alors, on commence par l'exercice 1, soit H égale deux sous-groupes d'un groupe G. Alors, on doit montrer que H union K est un sous-groupe de G, cela équivalent que H incline dans K ou bien K incline dans H. Alors, première implication, il est évident. On a si H incline dans K ou bien K incline dans H. Alors, c'est H incline dans K, on aura que H union K égale à K. Ici, ou bien si K incline dans H, on aura H union K incline dans H. Puisque K est un sous-groupe et H est un sous-groupe, alors dans les deux K, on va trouver que H union K est un sous-groupe de G. D'accord? Alors, première implication, elle est évidente. Alors, deuxième implication, on va supposer que H union K est un sous-groupe de G étoile. Et on va montrer, on va supposer par exemple, qu'est-ce qu'on va faire dans cette question? On va supposer que H n'inclut pas dans K. D'accord? On va supposer que H n'inclut pas dans K. Et on va montrer que forcément, K inclut dans H. Ou bien, si vous voulez, c'est la même chose. Ou bien on va supposer que K n'inclut pas dans H. Et on va montrer que forcément H inclut dans K. D'accord? Alors, on va supposer, supposons que H n'inclut pas dans K, et on va montrer que alors, si H n'inclut pas dans K, alors K inclut dans H. Forcément, d'accord? Alors, H n'inclut pas dans K, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il existe un élément dans H, mais cet élément n'existe pas dans K. D'accord? Alors, par exemple, si on a ici un ensemble K, d'accord? Alors, si H inclut dans K, c'est-à-dire que tous les éléments de H sont des éléments de K. Mais H n'inclut pas dans K, c'est-à-dire qu'il existe un élément de H qui n'appartient pas à K. D'accord? Alors, il existe X, un élément de H, mais X n'appartient pas à K. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que K inclut dans H. On a supposé que H n'inclut pas dans K, alors on va montrer que forcément, K inclut dans H. Pour cela, on doit prendre un élément quelconque dans K et on va montrer que cet élément appartient à H. On va prendre un élément quelconque dans K et on montre que cet élément appartient à H. Donc, soit Y appartient à K. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a X appartient à H. Donc, X appartient à H, union K. Et Y appartient à K. Donc, Y appartient à H, union K. H, union K est un sous-groupe. Donc, on va trouver X, Y appartient à H, union K. Alors, on a X, Y appartient à H, union K. Qu'est-ce que ça veut dire X, Y appartient à H, union K? C'est-à-dire que X, Y appartient à H ou X, Y appartient à K. On va montrer que cette cas, il est impossible. On ne peut pas jamais avoir X, Y appartient à K. Alors, si, voilà, si X, Y appartient à K, si X, Y appartient à K, et puisque Y appartient à K, d'accord, on a Y, Y appartient à K, K est un sous-groupe
Alors, y moins m, il appartient aussi à k. Alors, et puisque y appartient à k, ik sous-groupe de g, alors y moins m, il est aussi dans k. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x, y appartient à k, et y moins m appartient à k. Donc, on aura x, y fois y moins m, il est aussi un élément de k, parce que k est un sous-groupe. D'accord? Puisque les sous-groupes, alors il est stable par la loi multiplicative. Donc x, y, y moins 1 est un élément de k. Y, y moins 1, c'est l'élément neutre. Donc on n'aura que x appartient à k qui est absurde. Pourquoi? Parce que x n'appartient pas à k. Donc cette k, elle est impossible. Puisque x, y n'appartient pas à k, alors forcément, x, y appartient à h. Pourquoi? Parce que x, y appartient à h, il y a un k. Alors automatiquement, on doit avoir que x, y appartient à h ou x, y appartient à k. Puisque x, y n'appartient pas à k, alors forcément, x, y appartient à h. D'accord? Alors forcément, x, y est un élément de h. Et puisque h est un sous-groupe, et on a x, un élément de h, alors l'inverse de x, c'est-à-dire x moins 1, est un élément aussi de h. Donc x moins 1, puisque h est un sous-groupe de g, et x, un élément de h, alors x moins 1 est un élément de h. Alors on a x moins 1 est un élément de h, et x, y est un élément de h, alors le produit de x moins 1 et x, y est un élément de h. Donc x moins 1, x est un élément, y est un élément de h. Ce qui implique, puisque x, x moins 1 est l'élément neutre, ce qui implique que y est un élément de h. Alors y, on a prôné ici un élément quelconque de k, et on a trouvé que cet élément appartient à h, donc k inclus dans h. Donc c'est le résultat cherché. Donc h, c'est h union k, alors forcément est un sous-groupe, alors forcément h inclus dans k ou bien k inclus dans h. Deuxième question, soit k encore commutatif, prouvez que k fois k n'est jamais encore. D'accord? Notez bien que encore si k est encore, par exemple, si k est encore, alors tous les éléments de k qui ne sont pas nuls, c'est-à-dire les éléments inversibles de k, sont tous les éléments de k à part l'élément neutre par rapport à l'addition. Si on trouve qu'il y a des éléments de k qui sont différents de l'élément nul et qui ne sont pas inversibles, alors k n'est pas encore. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. On va montrer qu'il y a des éléments qui sont différents de 0, de k fois k, et qui ne sont pas inversibles. Donc k fois k, on aura k fois k n'est jamais encore. D'accord? Et les voici. On a pour tous les éléments A et B de K égal, l'élément A0 et l'élément 0B, ce sont deux éléments de K fois K. Qui vérifions que A0 est différent de l'élément neutre. Pourquoi? Parce que ici A est différent de 0. Parce qu'on a choisi que A et B, ce sont deux éléments de K égal, c'est-à-dire ici A différent de 0, c'est-à-dire que cet élément différent de l'élément neutre, et aussi on a B différent de 0, c'est-à-dire qu'il est différent de l'élément neutre. Mais on a deux éléments différents de l'élément neutre, mais A0 fois 0B, c'est A fois 0, c'est 0, et 0 fois B, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que A0 est un diviseur de 0, et 0B aussi est un diviseur de 0. Donc K fois K possède des diviseurs de 0. Et on sait que tout diviseur de 0 est un élément
qui n'est pas inversible. D'accord? Tout diviseur de 0 est un élément qui n'est pas diviseur, qui n'est pas inversible. Alors, puisque K fois K possède des diviseurs de 0, c'est-à-dire possède des éléments qui ne sont pas inversibles. Donc, K fois K n'est jamais encore. On passe à la deuxième exercice. Alors, exercice 2, on considère l'ensemble A constitué par les éléments qui s'écrit de la forme A plus B racine de 2, racine de 3, avec A et B sont des éléments de Z. D'accord? Alors, premièrement, question, on doit montrer que l'ensemble A mené de la loi plus I phi des lois isiennes dans F est un anneau commutatif unitaire. Et aussi, on doit justifier que l'anneau A est un anneau intègre, mais n'est pas encore. D'accord? Alors, pour simplifier la réponse, on remarque que A fait une partie de F. Alors, pour montrer que A est un anneau commutatif unitaire, il suffit de montrer que A est un sous-anneau de R. Pour montrer que A est un sous-anneau de R, il faut montrer que A différent de l'ensemble vide et quel que soit x, y des éléments de A, alors x moins y appartient à A. Ici, deux conditions montrant que A plus est un sous-groupe de A de R plus. D'accord? Alors, on doit montrer que A différent de l'ensemble vide et que quel que soit x, y, x moins y appartient à A, c'est-à-dire montrer que A plus est un sous-groupe de R plus. Et aussi, on doit montrer que x fois y fait un élément de A aussi, c'est-à-dire que A est stable par la loi multiplicative. D'accord? Alors, premier point, on a un l'élément neutre par rapport à la multiplication appartient à A. Alors, A différent l'ensemble vide et contient l'élément neutre par rapport à la multiplication. Alors, soit x, y des éléments de A, on doit montrer que x moins y appartient à A et x fois y appartient aussi à A. Alors, x et y, ce sont deux éléments de A. Alors, il existe A et B de Z carré et A prime B prime de Z au carré, tel que X s'écrit de la forme A plus B racine de 3 et Y aussi s'écrit de la forme A prime B plus B prime racine de 3. Alors, X moins Y, c'est A plus B racine de 3 moins A prime moins B prime. Alors, on peut écrire X moins Y de la forme A moins A prime plus B B prime. On a cet élément appartient à Z et cet élément appartient à Z. Donc l'élément A moins A prime plus B moins B prime racine de 3 est un élément de A, c'est-à-dire que X moins Y est un élément de A. Maintenant, X fois Y, c'est A plus B racine de 3 fois A prime B prime racine de 3. Donc c'est A prime plus A B prime racine de 3 plus A prime B racine de 3 plus B B prime racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc ça va égal, c'est A prime, c'est A prime plus 3 B B prime plus racine de 3 facteur A B prime plus A prime B prime. Donc aussi ça, c'est un élément de Z et ça, c'est un élément de Z. Donc aussi X fois Y s'écrit de la forme de A plus B racine de 3, donc c'est un élément de A. D'accord? Alors, donc, on peut conclure que A est un sous-anneau de R plus phi, puisque l'anneau R plus phi est un anneau commutatif. Donc, A est un anneau unitaire, commutatif, unitaire. Ici, commutatif est un anneau commutatif unitaire. Pourquoi commutatif? Parce que R est un anneau commutatif et unitaire parce que l'élément R appartient à A. D'accord?
Alors maintenant, on doit justifier que A est intègre, mais n'est pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire A est un anon intègre? Ça veut dire qu'il ne possède pas des diviseurs de 0. C'est-à-dire que A ne possède pas des diviseurs de 0. C'est-à-dire que quel que soit x, y appartenant à A moins l'élément neutre, quel que soit x, y des éléments de E, alors x fois y égale à 0 implique x égale à 0 ou y égale à 0. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'existe pas des éléments x et y qui sont différents des 0 qui vérifient x fois y égale à 0. Alors, s'il y a des éléments qui sont différents des 0 et vérifions x fois y égale à 0, alors x et y ce sont des diviseurs de 0, on aura que l'anneau A n'est pas un anneau intègre. D'accord? Alors, un anneau intègre, c'est un anneau qui ne possède aucun diviseur de 0, c'est-à-dire que quel que soit x, y, si on a de A, si on a x fois y égale à 0, alors cela forcément implique que x égale à 0 ou y égale à 0. D'accord? Alors, non aussi, puisque R plus étoile est un anneau intègre, car si x fois y appartient à R étoile, x fois y égale à 0, alors on aura x égale à 0 ou y égale à 0. Alors, automatiquement, A plus B est intègre aussi. Pourquoi? Parce que si on prend deux éléments X et Y appartenant à A et A inclus dans R, alors c'est la même chose. Si X fois Y égale à 0, alors on aura que X égale à 0 ou Y égale à 0. Donc, A est un anneau intègre. Pourquoi? Parce que c'est un sous-anneau de l'anneau intègre R plus B. Maintenant, on va justifier que A n'est pas encore. D'accord? C'est quoi encore? C'est un ensemble mené, par exemple, K est encore. C'est un ensemble mené par les deux lois, tel que K plus est un groupe commutatif. Et K et l'ensemble des éléments inversibles doit égal à K étoile. D'accord? Donc, K phi, K mené de la loi multiplication et K étoile, pardon, sauf l'élément nul par rapport à l'addition, est un sous-groupe, est un groupe OC, est un groupe. Alors, aussi, on doit avoir que phi est distributif par rapport et distributif par rapport à la loi plus. D'accord? Alors, pour montrer qu'un ensemble est encore, alors on doit avoir K plus est un groupe et K étoile est un groupe mené de la loi phi et phi est distributif. C'est-à-dire qu'on doit montrer que K plus phi est un anneau commutatif et aussi on doit montrer que l'ensemble des éléments inversibles de K, ce sont des éléments K étoile. D'accord? Ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce que on a une infinité des éléments qui ne sont pas inversibles dans A. On a une infinité des éléments qui ne sont pas inversibles dans A. Par exemple, si on prend A égale à 0, si on prend A égale à 0 et B égale à 1, on aura pour A0 et B égale à 1, on aura la racine de 3, la racine. Alors, A plus phi n'est pas encore, car racine de 3 appartient à A et on a l'inverse de racine de 3 dans R. Si racine de 3 sur 3, d'accord, l'inverse de racine de 3, c'est racine de 3 sur 3. Parce que si il multiplie racine de 3 fois racine de 3 sur 3, c'est 1. Donc, il est inversible de R. Mais l'inverse de racine de 3 n'appartient pas à A. Donc, A ne contient pas l'inverse
de racine de 3, c'est-à-dire que racine de 3 n'est pas inversible dans l'anneau A. C'est-à-dire que A contient des éléments qui ne sont pas inversibles. Donc, A n'est pas un corps. D'accord? Alors, il suffit de donner un contre-exemple. On passe à la deuxième question. Alors, question B, soit F, l'application de l'anneau A vers l'anneau A qui fait associer tout élément A plus B racine de 3 vers l'élément de A à moins B racine de 3. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette question? On doit montrer que F est l'unique automorphisme de A différent de l'identité de A. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire un automorphisme? Alors, un automorphisme, c'est un homomorphisme de A vers A qui est bijectif. C'est un homomorphisme de A vers A, un homomorphisme bien sûr d'anneau A vers A qui est bijectif. Et un homomorphisme de A vers lui-même appelé endomorphisme. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on doit montrer? Premièrement, on doit montrer que F est un endomorphisme. Deuxièmement, on doit montrer qu'il est bijectif. D'accord? On doit montrer qu'il est bijectif et que c'est un homomorphisme. Et la troisièmement, on doit montrer que c'est l'unique automorphisme de A. C'est-à-dire que s'il y a un autre automorphisme de A, G par exemple, alors force qui est différent de l'identité, alors forcément on aura G égale à F. D'accord? Alors premièrement, on va montrer que F est un endomorphisme de A. Alors pour montrer que F est un endomorphisme d'anneau A, on doit montrer que pour tout X, Y de A, à part de l'anneau A, on doit montrer que F de X plus Y égale à F de X plus F de Y. Et on doit montrer que F de X fois Y égale c'est F de X fois F de Y. Alors c'est ça un endomorphisme de A ou bien un homomorphisme de A vers A. Alors pour cela, on prend deux éléments de A, c'est-à-dire un élément X qui s'écrit de la forme A plus B racine de 3 et un élément Y qui s'écrit de la forme A prime B prime racine de 3. Bien sûr, A, B et A prime B prime, ce sont des entiers relatifs. Alors ici, soit X, on doit écrire ici des éléments de A. Alors on a, qu'est-ce qu'on a? On a F de X plus Y sur F de A plus B racine de 3 plus A prime B racine de 3. C'est F de A plus A prime plus B prime racine de 3. Alors là, après la définition de l'application F, alors ça, c'est égal, c'est A plus A prime plus, alors à la place de plus, on met moins. D'accord? Alors, c'est l'application qui fait associer A plus B racine de 3 par A moins B racine de 3. Alors, ici, qui joue le rôle de A, c'est A plus A prime. Moins, qui joue le rôle de B, c'est B plus B prime. Donc, c'est A plus A prime moins B plus B prime racine de 3. D'accord? Donc, c'est A moins B racine de 3. D'accord? C'est A moins B racine de 3 plus A prime moins B prime racine de 3. Alors, c'est quoi A moins B racine de 3? C'est F de A plus B racine de 3. Et c'est quoi A prime moins B prime racine de 3? C'est F de A prime plus B prime racine de 3. Donc, c'est F de X plus F de Y. Maintenant, on doit calculer f de x fois y. Deuxième propriété, on doit montrer que f de x fois y égale c'est f de x fois f de y. Donc, c'est f de a plus b racine de 3 fois a prime plus b, b prime racine de 3. Alors, on a déjà calculé ça. C'est a fois a prime plus b fois b prime racine de 3 fois racine de 3, c'est 3, donc c'est a prime plus 3 b prime,
et on a ici BA' racine de 3, BA' racine de 3 et AB' racine de 3. D'accord? C'est racine de 3. Alors ici, j'ai simplifié les calculs. Vous pouvez faire ces calculs, alors, et on peut l'écrire sous cette forme. Donc ici, qui joue le rôle de A ici, c'est AA' plus 3BB'. Et qui joue le rôle de B, c'est AB' plus A'B. Donc ça va égal, c'est AA' plus 3BB' moins AB' plus A'B racine de 3. D'accord? Alors, regardez bien. Je vais faire AA' moins A'B racine de 3. AA' moins A'B racine de 3. Et 3BB' moins AB' racine de 3. 3BB' moins AB' racine de 3. Alors, je vais factoriser ici par A'. Alors, je vais factoriser par A'. J'aurai A moins B racine de 3. Et ici, je vais factoriser par moins racine de 3B' moins racine de 3B'. Alors, il reste A. Et ici, moins racine de 3B'. Alors, dans 3, il reste racine de 3. Et je prends B, il reste B. Donc, c'est A moins racine 3B. Alors, je factorise encore par A moins B racine de 3. A moins racine de 3B. Donc, j'aurai, c'est A' moins racine de 3B'. Alors, ça, c'est quoi? C'est F de A plus racine de 3B. Et ça, c'est quoi? C'est F de A' moins racine de 3B'. Donc, c'est F de X fois F de Y. Ce qui montre que F est un endomorphisme de A. C'est-à-dire un endomorphisme de A vers A. Maintenant, on doit montrer que F est bijectif. D'accord? Alors, pour montrer que F est bijectif, on doit montrer qu'il est injectif et aussi qu'il est surjectif. Donc, soit pour montrer l'injectivité, on prend deux éléments X et Y, deux éléments de A, X écrit de la forme A plus B racine de 3, et Y s'écrit de la forme A' plus B' racine de 3, tel que F de X égale à F de Y, et on doit montrer que X égale à Y. Alors, F de X, F de Y, donc c'est A moins B racine de 3 égale A' moins B' racine de 3. Donc, c'est A moins A' plus B' moins B racine de 3. Puisque A moins A' est un entier relatif et B' moins B est un entier relatif, alors c'est égalité égale à 0. Si et seulement si A moins A' égale à 0, ici B moins B' égale à 0, donc A égale à A' et B égale à B', donc on n'aura que X égale à Y, donc F est injectif. Maintenant, pour la subjectivité, on prend Y, un élément quelconque de A. Alors, Y, un élément quelconque de A. Alors, il existe A et B, dit que Y s'écrit de la forme A plus B racine de 3. Et il est facile de remarquer que A moins B racine de 3 est un antécédent de Y. Donc, puisque A moins B racine de 3 égale à A moins B racine de 3, c'est A plus B racine de 3, c'est Y. Donc, Y a un antécédent si A moins B racine de 3, donc alors F est surjectif. Donc, on peut conclure que F est un automorphisme de la loi A. D'accord? Alors, F est un automorphisme de la loi A. Alors, est-ce qu'on a fini? Non, pas encore. On doit montrer que c'est l'unique automorphisme. Comment ça? On doit supposer qu'il existe un autre automorphisme G qui est différent de l'identité et on va montrer que F égale à G. Alors, je vais effacer tout ça et continuer la question. Donc, on continue la question B. Alors, maintenant, on doit montrer que F est l'unique automorphisme. C'est-à-dire, on se pose soit G, un autre automorphisme de A différent de l'identité de A.
D'accord? Alors, on doit montrer que F égale à G. C'est-à-dire qu'on doit montrer, alors si on prend un élément quelconque égal à A plus B racine de 3 dans A, avec A et B, deux éléments de Z, alors on doit montrer que G dans A plus B racine de 3 égale à aussi si A moins B racine de 3. C'est-à-dire que G égale à F. Alors, puisque, regardez bien, alors on a l'élément A appartient à A. D'accord? Alors pour B égale à 0, alors tous les éléments de Z sont dans A. Alors tous les éléments de Z sont A, alors A appartient à A et B appartient aussi à A. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a racine de 3 et appartient aussi à A. Pour A égale à 0 et B égale à pour A égale à 0 et B égale à 1, alors on a racine de 3 appartient à A. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a A appartient à A et B appartient à A et aussi racine de 3 appartient à A. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer J de X. C'est J de A plus B racine de 3. Donc, puisque G est un automorphisme de A, donc il égale G de A plus G de B racine de 3. Pourquoi? Parce que B appartient à A et racine de 3 appartient à A, donc B racine de 3 appartient à A. D'accord? Alors, G de A plus B racine de 3, c'est G de A plus G B racine de 3. Et puisque G aussi un automorphisme, alors il B appartient à A. Et racine de 3 appartient à A, alors on peut écrire ça, c'est J de B fois J de racine de 3. Donc J de X, c'est J de A plus J de B fois G de racine de 3. D'accord? Alors on va calculer J de A et J de B et G de racine de 3. Alors d'autre part, on a quel que soit N appartient à Z, quel que soit l'élément de Z, J de N égale à N. Comment ça? Alors, en effet, alors, si N, si l'élément N appartient à N, alors, qu'est-ce que ça veut dire N? N, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, N fois. Donc, J de N, c'est quoi J de N? C'est J de 1 plus 1 plus 1, N fois. Et puisque J est un automorphisme, alors J de 1 plus 1 plus 1, c'est J de 1 plus J de 1 plus J de 1, etc. Et c'est quoi J de 1? J de 1, c'est 1. Pourquoi? Parce que G est un automorphisme, alors l'image de l'élément neutre par rapport à la multiplication, c'est lui-même. C'est on travaille dans la loi. C'est-à-dire si G est un automorphisme. Donc J de 1, c'est 1. J de 1, c'est 1, c'est-à-dire N fois, donc égal à N. Alors on a montré que c'est N appartient à N, J de N égale à N. Maintenant, c'est N appartient à Z moins, c'est-à-dire si N est négatif. Alors, on a moins N appartient à N. Et on sait que si G est un automorphisme ou bien plus fort automorphisme, alors G de moins X, pour tout élément X, c'est moins G de X. D'accord? Et on sait qu'on a G de X moins 1, c'est GX moins 1. D'accord? Alors ça, ce sont des propriétés de l'opposé et l'inverse. D'accord? Alors on a G moins N, c'est moins J de N. Et c'est quoi J de N? Pardon, c'est quoi J de moins N? Puisque moins n appartient à n, on a montré que pour tout n appartient à n, alors j de n c'est n. Alors moins n appartient à n, donc j de moins n c'est moins n. Alors on aura on simplifie ici le moins avec le moins, on trouve que j de n égale à n, même si n est négatif. Donc f de n égale à n, et pour tout, donc f de n égale à n, quel que soit n appartient à n. Z. Alors maintenant, on va calculer G
pardon, ici G. Alors, on va calculer maintenant G de racine de 3 fois racine de 3. Alors, on a racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc, G de racine de 3 fois racine de 3, puisque racine de 3 appartient à et G est un automorphisme, alors si G de racine de 3 fois G de racine de 3, d'accord, égale à G de 3. Pourquoi? Parce que racine de 3 fois racine de 3, c'est G de 3. Et c'est quoi G de 3? C'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que G au carré de 3, parce que G de 3 fois G de 3, donc c'est G au carré de 3, égale à 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir que G de racine de 3 égale plus ou moins racine de 3. Donc, si G de racine de 3 égale à racine de 3, qu'est-ce qu'on aura? On aura G de A plus B. Alors, on a dit que si G A plus J de B, G de racine de 3, A appartient à Z, donc J de A, c'est A, et J B, A, B appartient à Z, donc J de B, c'est B, et ici J de racine de 3, c'est racine de 3, donc on va trouver que c'est A plus B, racine de 3, donc G, c'est l'identité. Donc c'est impossible. Pourquoi? Parce que on a prolongé un automorphisme de A différent de l'identité de A. Alors on ne peut pas avoir G de racine de 3 égale à 3. Sinon on aura que G c'est l'identité égale à l'identité. Donc c'est absurde. Donc forcément G de 3 égale à moins racine de 3. Alors on aura que G de A plus B c'est G de A. Donc, égale à 2A, et G de B, c'est B, et G de racine de 3, c'est moins racine de 3, donc c'est A moins B racine de 3, alors, égale, et c'est quoi A moins B racine de 3, c'est F de A plus B racine de 3, donc F égale à G. On passe à la deuxième question. Alors, deuxième question, exercice 2, on pose pour toute X égale A plus B racine de 3 de A, on pose in de x, c'est a plus b racine de 3 fois a moins b racine de 3. Donc, identité remarquable, donc c'est a au carré moins 3b au carré. Et on admet que pour toute x, y, deux éléments de a, on a n de x, y égale à n de x fois n de y. Ça aussi, c'est facile à vérifier. Il est facile à vérifier. Donc, on doit, question a, on doit prouver que x égale à A plus B racine de 3 est inversible si et seulement si A au carré moins 3B égale à plus 1 ou égale à moins 1. D'accord? Alors on remarque d'abord que pour toute X égale à A plus B racine de 3, on a une de X égale à A au carré moins 3B au carré, c'est un élément de Z. Alors pour toute X de A, N de X est un élément de Z. D'accord? Alors, on va commencer de prouver que x est inversible équivalent que n de x a au carré moins 3b, c'est n de x. A au carré moins 3b, c'est n de x. C'est-à-dire, c'est comme on veut montrer que n de x égale à plus ou moins 1. D'accord? Alors, supposons x égale à a plus b racine de 3 est inversible. Alors, s'il est inversible, donc il existe un autre élément x' de A tel que x fois x' égale à 1. D'accord? Alors, si x est inversible, donc forcément, il existe un élément non nul x' tel que x fois x' égale à 1. Donc, on aura n de x fois x' égale à n de 1. Et n de 1, c'est 1. Parce que 1 s'écrit de la forme 1 plus 0 racine de 3. Donc c'est 1 au carré moins 3, 0 au carré. Donc égal à 1. N de 1, c'est 1. Et on a n de x fois x', c'est n de x fois n de x' égal à 1. Alors le produit de deux éléments égal à 1. Alors, nx fois nx', donc nx et nx', ce sont inversibles dans Z.
et les éléments inversibles dans Z sont moins 1 et 1. Alors nx, ça va égal moins 1 ou 1. D'accord? Forcément. Pourquoi? Parce que 1 est un multiple de nx. D'accord? Puisqu'on travaille dans Z, alors nx égale plus 1 ou moins 1. Et c'est quoi nx? C'est a au carré moins 3b au carré. Maintenant, inversement, on suppose que n de x est égal à a au carré moins 3b au carré égale à plus ou moins 1. Donc, si n de x égale à 1, première cas, c'est nx égale à 1, c'est-à-dire a au carré moins 3b au carré égale à 1. Alors, on trouve, c'est quoi nx? C'est a plus b racine de 3 fois a moins b racine de 3 égale à 1. Alors, ça, c'est x, on a x fois cet élément égale à 1. Donc, il est inversible. Et son inverse, c'est quoi? C'est a moins b racine de 3. Donc, x est inversible et son inverse, c'est a moins b racine de 3. Et l'autre cas, c'est nx égale à moins 1. Alors, a plus b racine de 3 fois a moins b racine de 3, c'est moins 1. Donc, le moins 1 ici, je vais le rendre ici. Donc, j'aurai c'est moins a plus b racine de 3. Donc, c'est a plus b racine de 3, c'est moins a plus b racine de 3 égale à 1. Donc, a plus b racine de 3, il est inversible parce qu'il existe un élément tel que le produit égal à 1. Et son inverse, c'est moins a plus b racine de 3. On passe à la question B. Alors, pour la question B, soit oméga un élément de A, on doit montrer que E, l'ensemble qui constitue par les éléments qui s'écrit de la forme oméga x avec x, est un élément de A et un idéal de A. Alors, pour cela, on doit montrer que E plus est un sous-groupe de A plus, et aussi on doit montrer que quel que soit x appartient à i, quel que soit y appartient à a, x, y appartient à a, et aussi y, x appartient à a, pour dire que i est un idéal à gauche et à droite. Mais ici, puisque l'anneau a est un anneau commutatif, alors il suffit de montrer seulement un cas et signer que A est un idéal commutatif, alors on aura pour A que I est un idéal bilatéral. D'accord? Alors, et pour montrer que I plus est un sous-groupe, on doit montrer que I différent de l'ensemble vide et aussi que quel que soit X, Y des éléments de I, X moins Y toujours reste dans I. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Alors, premièrement, on a oméga égale à oméga fois 1, d'accord? Oméga égale à oméga fois 1, c'est-à-dire pour x égale à 1. Donc oméga appartient à i. Donc i différent de l'ensemble vide. Maintenant, soit x et y, deux éléments de i, alors il existe deux éléments x et y de a, tel que x égale à oméga x et y égale à oméga y. D'accord? Alors, donc, on aura x moins y, si oméga x moins oméga y, si oméga x moins y, on a x moins y est un élément de A, alors x moins y est toujours appartient à i. Donc, on peut déduire que i plus est un sous-groupe de A plus. Donc, c'est un sous-groupe commutatif, puisque A plus i est commutatif. Maintenant, soit x égale à oméga x, un élément de y appartient à A. Donc x fois y, c'est oméga x fois y. Si oméga x fois y, puisqu'on travaille dans la norme A, alors la multiplication est associative. Donc oméga fois xy. Xy est un élément de A. Donc oméga xy appartient à i. Donc, I est un médial à droite. D'accord? Alors, cette condition signifie que X est un médial à droite. Mais puisque A est un médial, puisque A est un anneau commutatif, alors on peut déduire que I est un médial bilatéral. Et puisque A est commutatif, alors I est un médial bilatéral. Maintenant, on va supposer que oméga, question C, oméga égale à 2 plus racine de 3, alors on doit déterminer l'idéal i, c'est quoi? Donc i, c'est 2 plus racine de 3 fois x avec x appartient à a, et que les éléments x de a s'écrivent de la forme a plus b racine de 3 avec a et b
ce sont des éléments de Z. Alors on va faire la distribution ici, on aura que ici c'est 2A plus 3B plus A plus 2B fois racine de 3 avec A et B est un élément de Z. Alors ça c'est égal à A. D'accord? Alors en effet, on a toujours I inclus dans A, alors on va vérifier que A inclus dans I. Alors, pour tout élément X qui s'écrit de la forme A' plus B' racine de 3 appartient à A, on va vérifier est-ce qu'on peut écrire X de cette forme. D'accord? Alors, pour cela, on pose A' égale à 2A plus 3B et B' égale à A plus 2B'. Et on va essayer d'écrire A et B en fonction de A' et B'. D'accord? Alors, pour éliminer ici A, je vais multiplier ici par moins 2. D'accord? Je vais multiplier par moins 2 et je fais la somme. Donc, j'aurai A' moins 2', A' moins 2', ici j'aurai 2A moins 2A, c'est 0. Et ici 3B moins 4B, donc c'est moins B. Et je vais remplacer ici P', c'est A plus 2 fois B, donc B c'est 2B' moins A. Donc j'aurai que B égale, c'est 2B'. Alors le moins, je transforme le moins à l'autre côté. J'aurai que B égale à 2B' moins A', et A égale à moins 3B', moins 3B' plus 2 de A'. Donc X peut s'écrire dans la forme X égale à 2A plus 3B plus A plus 2B racine de 3. Et ici, n'oubliez pas que A' égale à 2A plus 3B. D'accord? Alors, on n'aura que A inclus dans I. D'où A égale à I. Alors, l'idéal I, c'est quoi? C'est exactement A. On passe à la troisième question. Dernière question dans l'exercice 2, question 3. Alors, petit a, on doit montrer que l'application G du groupe A plus vers le groupe 0 plus l'infini mené de la loi multiplicative qui fait associer chaque élément de A qui s'écrit de la forme A plus B racine de 3 par le nombre 3 à la puissance A plus B. Alors, pour montrer que G est un homomorphisme, puisque ici l'addition qui met en jeu dans le groupe A, ici la multiplication, alors on doit montrer que quel que soit x, y de A, on doit montrer que f de x plus y égale à f de x fois f de y pour montrer que G, pardon, ici G, que G est un homomorphisme de groupe. D'accord? Alors pour cela, on prend des éléments quelconques x et y de A, c'est-à-dire x écrit de la forme A plus B racine de 3 et y écrit de la forme A' plus B' racine de 3, deux éléments de A. Alors on a G de x plus y, c'est G de A plus B racine de 3 plus A' plus B' racine de 3. Donc c'est G de A plus A' plus B plus B' facteur racine de 3. Donc, d'après la définition de G, donc c'est 3 à la puissance A plus A' plus B'. Donc c'est 3 à la puissance A plus B plus A' plus B'. Donc c'est les règles de puissance. Donc c'est 3 à la puissance A plus B fois 3 à la puissance A' plus B'. 3 à la puissance A plus B, c'est G de A plus B racine de 3. Et 3 à la puissance A' plus B', c'est G de A' plus B' racine de 3, donc c'est G de X fois G de X, donc G de Y, donc G est un homomorphisme de groupe. Alors, petit b, on doit calculer le cœur de G et la masse de G. Donc, c'est quoi le cœur des G? C'est l'ensemble des éléments de A qui vérifient G de A plus B racine de 3 égale à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée
il est numéro neutre de l'ensemble d'arrivée de groupe C. C'est la multiplication et c'est la multiplication qui met en jeu donc l'élément neutre par rapport à la multiplication, c'est 1. D'accord ? Alors c'est l'ensemble des éléments tels que J de A plus B racine de 3 égale à 1. Avec A et B, ce sont des éléments de Z. Donc c'est A plus B racine de 3, l'ensemble des éléments de A, tels que 3 à la puissance A plus B égale à 1. Alors, pour que 3 à la puissance A plus B égale à 1, alors il faut que A plus B égale à 0. D'accord? C'est 3 à la puissance 0 qui égale à 1. Alors, A plus B égale à 0, c'est-à-dire B égale à moins A. D'accord? Alors, je remplace B par moins A. Donc, c'est l'ensemble des éléments de la forme A moins A racine de 3 avec A appartient à Z. D'accord? Alors, maintenant, l'image. L'image de G, c'est G de A. Donc, c'est l'ensemble constitué par les éléments 3 à la puissance A plus B, avec A plus B racine de 3 appartient à AA. Donc, c'est 3 à la puissance A plus B avec A et B. Ce sont deux éléments de Z. Alors, on peut écrire cet ensemble de la forme 3 à la puissance K avec K appartient à Z. Donc, l'image de A. Ce sont les puissances de K. D'accord. Alors, on passe à la dernière exercice et la troisième exercice. Troisième exercice. Alors, soit pour les noms P de x égale à x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 moins x plus 1, et qui de x égale à x à la puissance 3 moins x au carré plus x moins 1. Première question, petit a. On doit vérifier que 1 est un racine double et que G qui est égal à EI de pi sur 3 est un racine simple de pi de x. Alors pour montrer que 1 est un racine double, alors on doit calculer pi de 1 et on doit trouver 0. Et on doit calculer pi prime de 1 et on doit trouver 0. Et pi second de p doit être différent de 0. D'accord. Alors, une racine de multiplicité n, par exemple n, alors on doit calculer pi prime de, par exemple, si alpha est une racine de multiplicité n, alors on doit calculer pi de alpha, on doit trouver qui égale à pi second de alpha, égale jusqu'à p, la dérivée p et mi de alpha égale à 0. D'accord. Et la dérivée de n plus 1 de p de alpha doit être différente de 0 pour dire que alpha est un racine de multiplicité n. Alors ici, 1 est un racine double, c'est-à-dire de multiplicité 2. Alors on doit calculer. Alors on a pi de x, c'est x à la puissance 4 moins x, 3 moins x plus 1. Alors pi prime de x, c'est 4x à la puissance 3 moins 3x au carré moins 1. Et pi seconde de x, c'est 3 fois 4, c'est 2x au carré moins 6x. Alors, on a pi de 1, il est facile à calculer, c'est 0. Pi prime de 1, on sait, c'est 0. Et on trouve que pi seconde de 1 égale à 6, donc différent de 0. Alors, on a pi de 1 égale à pi prime de 1 égale à 0. Et pi seconde de 1 différent de 0. Alors, 1 est un racine double de pi de x. D'accord. Alors, maintenant, on doit montrer que G est un racine simple. C'est-à-dire, on doit calculer pi de G et on doit trouver que c'est 0. Et on doit calculer pi prime de G, on doit trouver qu'il est différent de 0. Alors, pi de G, alors G, c'est EI de pi sur 3 à la puissance 4, moins EI de pi sur 3 à la puissance 3, moins EI de pi sur 3 plus 1. Donc, ici, les puissances A à la puissance N. À la puissance n, donc c'est a à la puissance n fois n. Donc 4 fois 2 sur 3, c'est 8 sur 3, ou i, 8p sur 3. Et ici, c'est 2p sur 3 fois 3, je simplifie par 3, donc c'est e i de p, et ici, moins e i de p plus 1. D'accord. Ici, 8 sur 3p, je peux l'écrire, c'est 6 plus 2p sur 3, donc c'est 2p plus 2p sur
3. D'accord? Alors, si E, I de P plus I de P sur 3, et on a E, I de P sur 3, qu'est-ce qui est égal? Qu'est-ce qui est égal à E, P de sur 3? C'est cos de P plus I sinus de P. Donc, sinus de P, c'est 0, cos de P, c'est 1. Donc, E, I de P égale, c'est 1. Et ici, c'est quoi? C'est E, I de P fois E, I de P sur 3. Puisque E, I de P, c'est 1, donc ici, alors, E, I de P plus E, I de P ça sera égal. Si E, I de P sur 3 moins E, I de P sur 3, c'est 0. Et ici, moins 1 plus 1, c'est 0. D'accord? Et ici, ces petits calculs, on calcule P prime de G. On trouve que c'est égal à 9 sur 2 plus 3, racine de 3 sur 2, I. Donc, G est un racine simple de 2π. Et c'est un peu de calcul, c'est tout. Alors, on passe à la question B. Alors, question B. Sur P, polynôme P de x, x4 moins x3 moins x plus 1, et qui de x égale à x3 moins x carré plus x moins 1. Alors, on doit factoriser P dans si x et dans 1x. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la question 1? On a trouvé que g est un racine simple. D'accord? Et d'après le cours, si g est un racine complexe, alors g bar aussi est un racine complexe. Par exemple, si un élément A, appartient à C, est un racine de multiplicité n, alors A bar aussi est un racine de même polynôme de multiplicité n. D'accord? Alors ça, c'est une théorème. D'accord? Alors, puisque j'ai une racine simple de P, alors G bar aussi est un racine simple de P, et on a 1 est un racine double, alors dans Cx, alors on peut factoriser P de x, x moins 1 au carré, x moins G, facteur x moins G bar. Et si G bar c'est G au carré, vous pouvez vérifier ça, c'est facile. D'accord? Alors la factorisation dans Rx, alors on a x moins 1 au carré, c'est x moins G fois x moins G bar. Donc c'est x moins 1 au carré, et ici x fois x, c'est x au carré, et ici x fois moins g bar, moins g fois x, donc c'est moins g plus g bar x, et moins g fois moins g bar, c'est g, g bar. D'accord? Donc c'est x au carré moins 2 cos 2π sur 3, parce que g plus g bar égale 2 réel de g, et le réel de g c'est cos 2π sur 3, parce qu'on a g, qu'est-ce qu'il égale g? C'est cos de p sur 3 plus i sinus de p sur 3, parce que g égale c'est e i de p sur 3. Donc g bar, qu'est-ce que ça va égale? C'est cos de 2π sur 3 moins i sinus de p sur 3. Alors si je fais la somme, je vais effacer ça, donc je récite 2 cos de p sur 3 avec le moins ici, donc c'est moins 2p cos de c'est moins 2 cos de pi sur 3, et cos de pi sur 3 c'est moins 1 demi, donc moins 1 demi fois moins 2 c'est 1, et gg bar c'est le module de g, le module de g c'est 1. D'accord? Donc factorisation de pi de x dans R, x c'est x moins 1 au carré plus x plus 1. Alors, factorisation de pi de x dans Rx, c'est facile. On remarque ici, on a x, la puissance moins 3 moins x carré plus x moins 1. Ici, x moins 1, on peut avoir ici aussi x moins 1. On factorise par x au carré, c'est x moins 1 plus x moins 1. Je factorise encore par x moins 1, donc c'est x moins 1, x au carré plus 1. Deuxième question, petit a, on doit montrer que x au carré est premier avec x moins 1 et x au carré plus x plus 1. D'accord? Alors soit on suit l'algorithme d'Euclide et on cherche que
le PGCD entre x au carré plus x et x moins 1 égale à 1, et le PGCD de x au carré plus 1 et x au carré plus x plus 1, soit on cherche si on peut trouver deux fonctions i, par exemple facteur x au carré plus 1 plus v x moins 1 égale à 1. Alors d'après Bizot, on peut conclure. Moi j'ai fait les deux méthodes. D'accord. Alors pour la première, alors on a 1 sur x au carré plus 1 moins 1 demi x plus 1 fois x moins 1. Donc c'est 1. Vous pouvez vérifier ça. Alors ici, la fonction i, c'est 1 demi. Ici, i de x, c'est 1 demi. Et ici, la fonction v de x, c'est moins 1 demi x plus 1, alors égale à 1. Alors, donc, d'après Bizot, on a x au carré plus 1 et x moins 1 sont premiers entre eux. Ici, j'utilise l'algorithme. Donc, alors, la division de x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus x, dont 1, ici, c'est 1, plus le reste, c'est x. Alors, je divise x au carré plus 1 sur le reste. Alors, j'aurai que c'est x fois x et le reste 1, et c'est le dernier reste qui ne s'annule pas. Donc, c'est 1. Donc, le PGCD entre x au carré plus x plus 1, x au carré plus 1 égale à 1. Donc, S sont premiers entre eux. On passe à la question B, deuxième question. On n'a pas encore terminé la question A. Alors, on doit calculer le PGCD entre P et Q, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur. Donc, le PGCD de P et Q, on a fait si x moins 1 à la puissance carré, x au carré plus x plus 1, et Q de x, c'est x moins 1, x au carré plus 1. Et donc, on sait la propriété que le PGCD d'un polynôme C fois A et C fois B, c'est quoi? C'est le polynôme C fois le PGCD de polynôme A et B. Alors on va appliquer cette propriété. Alors on a ici x moins 1 et ici x moins 1. Alors le PGCD de P et Q, c'est quoi? C'est x moins 1 fois le PGCD. Alors ici il reste x moins 1, x au carré plus x plus 1. Et ici x au carré plus 1. Et on a déjà vu que x au carré plus 1 est premier avec x moins 1, et aussi il est premier avec x au carré plus x plus moins 1. Alors x au carré plus 1 premier avec deux polynômes, alors il est premier avec leur produit. D'accord. Donc, alors, puisque le PGCD entre x au carré plus x plus 1 et x au carré plus 1 égale à 1, c'est-à-dire qu'ils sont premiers, et le PGCD entre x moins 1 et x au carré plus 1 égale à 1, c'est-à-dire qu'ils sont premiers, alors le PGCD entre le produit et x au carré plus 1 égale à 1, c'est-à-dire x au carré plus 1 est premier avec ce produit. Donc le PGCD de P et Q égale à x moins 1 fois 1. D'accord. Donc c'est x moins 1. Alors question B. Alors on doit vérifier que x au carré plus x plus 1 fois moins x plus x au carré plus 1 fois x plus 1 est égal à 1. C'est très facile. Maintenant, question C. Soit i de x et v de x, deux polynômes tels que x au carré plus x plus 1 fois i de x plus x au carré plus 1 fois v de x égale à 1, on doit montrer qu'il existe un polynôme a de x appartient à k de x tel que i de x égale à moins x plus x au carré plus 1 par x, et v de x égale à x plus 1 moins x au carré plus x plus 1 à x. D'accord. Alors on va commencer par la relation donnée ici, x au carré plus x plus 1 fois i de x, x au carré plus 1, v de x égale à 1. Et pour utiliser la vérification qu'on a vérifiée dans la question B, je vais multiplier ici par moins x. D'accord. Alors je vais multiplier cette égalité par moins x. Alors je vais moins x fois ça, moins x fois 2 ça, égale à 1 fois moins x.
D'accord. Alors, je remplace moins x, x au carré plus x plus 1, moins x, x au carré plus x plus 1 par 1 moins x au carré plus 1, x plus 1. 1 moins x au carré plus 1 fois x plus 1. C'est d'après ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Alors, ici, c'est moins x. Et je transforme moins x fois x au carré plus 1 à l'autre côté, j'aurai c'est x, x au carré plus 1, v de x. Donc ici, si i de x fois 1 égale tout ça, et ici i de x fois moins x au carré plus 1, x plus 1, je le transforme à l'autre côté, donc c'est x au carré plus 1, x plus 1, i de x. Je factorise, alors je laisse ici moins x, et je factorise par x au carré. Je factorise par x au carré. Donc je trouve si x v de x plus 1 u de x. Donc si je pose a de x égale à x v de x plus 1 u de x, alors j'aurai i de x c'est moins x plus x au carré plus 1 fois a de x. D'accord. Alors je vais montrer que v de x égale ça fois a de x qu'on a trouvé ici. D'accord. Alors, de la même façon, cette fois, à la place de multiplier par moins x, je vais multiplier par x moins plus 1. D'accord. Je vais multiplier par x plus 1. Alors, j'aurai ici, c'est x plus 1, x au carré plus x plus 1. Et ici, x plus 1, x au carré plus 1 v de x égale à 1, c'est-à-dire x plus 1. Alors, c'est-à-dire que j'ai multiplié cette égalité par x plus 1 pour utiliser cette inégalité. Donc, je remplace x plus 1, x au carré plus 1 v de x, je remplace ça par 1, moins c plus x fois x au carré plus 1. Donc, si v de x facteur 1 plus x, x au carré plus x plus 1. C'est-à-dire que j'ai remplacé x au carré plus 1, x plus 1 par 1 moins, avec le moins ici, c plus x fois x au carré plus x plus 1. D'accord. Alors, et je transforme cette quantité à l'autre côté. Donc, c'est x plus 1 moins tout ça. D'accord. Alors, donc, c'est v de x fois 1 et x au carré x plus 1 fois v de x, je le transforme à l'autre côté. Donc, j'aurai c'est x plus 1 moins x plus 1 x au carré plus 1 fois v de x moins x au carré plus x plus 1 fois v de x. Alors, je factorise cette fois ici encore par x au carré plus 1, alors par moins x au carré plus x plus 1, j'aurai si x plus 1 i de x plus x v de x et x plus 1 i de x plus x v de x, c'est a de x, donc j'aurai le résultat demandé. On passe à la dernière question. Alors on doit décomposer en éléments simples la fraction f de x qui égale à qui de x sur p de x. C'est quoi qui de x? C'est x moins 1 facteur x au carré plus 1. Et c'est quoi p de x? C'est x moins 1 au carré x au carré plus x plus 1. Alors on va simplifier par x moins 1. Donc c'est x au carré plus 1 sur x moins 1. Et x au carré plus x, la décomposition en g, c'est x moins g bar. Et g bar, c'est g au carré. On peut vérifier ça facilement. D'accord? G bar, c'est quoi G bar? C'est quoi G? C'est E, I de P sur 3. Donc G bar, c'est quoi? C'est E moins I de P sur 3. D'accord? Donc ici, G bar, qu'est-ce qu'il est là? C'est cos moins 2P sur 3 plus I sinus moins 2p sur 3, donc c'est quoi? C'est moins 1 demi, et sinus de p sur 3, c'est moins 1 demi i. D'accord, donc c'est, voilà,
sinus π sur 3, 2π sur 3. Donc c'est 1 demi. π sur 3, pardon, c'est racine de 3 sur 2. D'accord, donc c'est moins. Et aussi, g au carré, c'est quoi g au carré? C'est cos de 4π sur 3, plus i, sinus 4π sur 3. Donc voilà, π sur 3, donc c'est 4π sur 3, donc cosinus, c'est moins 1 demi, et sinus aussi, c'est moins racine de 3 sur 2, fois et donc ils sont égaux. On peut vérifier ça facilement. Donc, j'ai bar égal à g au carré. Donc, on peut décomposer la fraction en une ligne simple de la forme a sur x moins 1 plus b sur x moins g plus b bar sur x moins g au carré. D'accord? Alors, pour calculer a, c'est 1 au carré plus 1. C'est 1 au carré plus 1 sur, ici, x moins g fois x moins g bar, c'est x au carré plus x plus 1. Alors, on va remplacer 1 par ici. C'est 1 au carré plus 1 plus 1. Donc, c'est 2 sur 3. D'accord? C'est-à-dire qu'on élimine ça et on remplace 1 dans 2, tout ici. C'est 1 au carré plus 1 et ici, 1 moins g fois 1 plus g. C'est-à-dire que c'est 1 au carré plus 1 plus 1. Donc, c'est 2 sur 3. Donc, pour calculer B, alors, j'élimine ça, c'est G au carré, ici, la racine, c'est G. Donc, c'est G au carré plus 1 sur G moins 1 fois G moins G au carré, parce que G bar, c'est G au carré. Donc, c'est G au carré plus 1, G moins 1, facteur G moins G au carré. Alors, on va utiliser les propriétés de G, elles sont faciles à vérifier. On a g au carré plus g plus 1 égale à 0. Et g à la puissance 3, c'est 1. Alors, on va utiliser ça. Donc, g au carré plus 1, c'est quoi? G au carré plus 1, c'est moins g. D'accord? Et ici, c'est g fois g, c'est g au carré. G fois moins g au carré, c'est moins g à la puissance 3. Donc, c'est moins 1, puisque g à la puissance 3 égale à 1. Et ici, moins 1 fois g, c'est moins g. Et ici, moins 1 fois moins g au carré, c'est plus g au carré. Regardez ici, moins 1 moins g égale à g au carré. Et j'aurai g au carré plus g au carré plus g au carré, c'est 3g au carré. Pourquoi? Parce que ici, moins 1 moins g au carré, c'est g au carré. D'accord? Donc, c'est moins g sur 3. G au carré. Je multiplie ici par G et ici par G. Alors, j'aurai c'est moins G au carré sur G à la puissance 3, c'est 3. Donc, B égale, c'est moins G au carré sur 3. Donc, j'aurai B bar, c'est moins G au carré bar sur 3. Donc, c'est moins G bar à la puissance 2 sur 3. Et G bar, c'est G à la puissance 2. Donc, c'est moins G à la puissance 2 à la puissance 2, c'est G à la puissance 4. Et g à la puissance 4, c'est g à la puissance 3 fois g. G à la puissance 3 égale à 1, donc c'est g. Donc avec le moins, c'est moins g sur 3. Donc on aura la factorisation, ou bien la décomposition en éléments simples. C'est, alors je remplace a par 2 sur 3x moins 1. Je remplace b par moins g au carré sur 3x moins g. Et je remplace b bar par moins g sur 3, donc c'est moins g sur 3x moins g au carré. C'est fini pour cette vidéo. À très bientôt.